Fitness Boutique, c'est une entreprise qui existe depuis maintenant 15 ans. Aujourd'hui, c'est un groupe de 70 points de vente. On est spécialisé dans l'équipement de fitness, musculation et produits de diététique, nutrition sportive. Depuis maintenant 4 ans, on produit nos propres gammes. Ce sont des produits qu'on fait fabriquer et sur lesquels donc on a la chance d'être sur un marché qui progresse. Le fitness, la remise en forme, c'est dans l'air du temps. Donc les volumes ont fortement augmenté depuis 3-4 ans. Et on s'est retrouvé à devoir faire face à un nouveau métier pour nous. Et le premier service qui a été impacté, c'était le service après-vente. Nous avons ressenti au fil du temps un stock de produits qui s'immobilisait avec une valeur financière importante qui restait chez nous, où on a senti un besoin de faire sortir cette valeur financière. Nous avons aussi ressenti un besoin de satisfaction client à améliorer. Grâce à Excel Consultant, on a mis des chantiers en place dans l'organisation pour apporter une satisfaction clientèle et baisser un stock de produits qui était bloqué. Donc la mission chez NetQuattro a tout d'abord commencé par un diagnostic qui a été réalisé au sein de l'activité du SAV pour NetQuattro. Le but, c'était d'identifier les axes d'amélioration qui pouvaient être apportés et puis surtout d'essayer d'identifier les métiers, d'identifier les activités et puis d'identifier aussi ce qu'on appelle le tag time, donc c'est la cadence du client qui permettait ensuite de pouvoir équilibrer les différents flux. Deuxième phase, on a mis en place des chantiers, donc deux types de chantiers ont été mis en œuvre. Premier chantier qui était lié à l'activité gestion des pièces détachées, on a fait un premier chantier donc, qui était un 5S. Le but était de rationaliser et de valider les vrais volumes de pièces détachées. Le deuxième chantier, ça a été tout ce qui était lié sur les articles produits reconditionnés. Donc l'objectif, c'était de faire descendre le volume de stock de pièces qui étaient en attente de reconditionnement. Donc pour ça, on a mis en œuvre un chantier Kaizen. Troisième grande activité qu'on a mis également en œuvre, c'est ce qu'on appelle la supervision active avec à l'intérieur l'animation à intervalles courts. L'objectif, c'était de pouvoir faire un premier point quotidien sur effectivement est-ce que j'ai atteint ou non mon objectif, est-ce que je suis en décalage, et si oui, pourquoi, comprendre les problématiques sous-jacentes pour pouvoir les traiter en termes d'amélioration. Avant, chacun faisait un peu tout, et c'est vrai que maintenant, on a réussi à trouver chacun son corps de métier, à diviser la partie pièces détachées et la partie relation clientèle. Ça m'a permis vraiment de savoir où j'allais dans le service quoi. Avant on n'avait pas de visuel sur le travail entrant, maintenant on en a, donc on sait que le matin on a un nombre de dossiers SAV, le soir on sait combien il y en a aussi, donc on sait qu'est-ce qui a été traité dans la journée. Le fait d'avoir fait ce chantier Lean, ça nous a permis d'évoluer un peu et de faire de cette petite structure une structure plus organisée où on arrive plus à définir les tâches de chacun. Aujourd'hui, le Lean nous a permis de créer 3 postes réels avec chacun leur fonction. Interchangeables, les personnes sont interchangeables parce qu'elles arrivent à réaliser le travail des autres, mais au final, ont vraiment des tâches bien définies. Le flux de mails entrant sur ces problématiques, soit depuis notre site web, soit depuis les magasins, a clairement baissé. Et surtout, c'est au niveau de l'humain. Au niveau de l'équipe, les problèmes humains, le rôle de chacun au sein du service, ça oui, c'est énormément simplifié, allégé, et aujourd'hui, on sent qu'on a une vraie équipe service client.